Ils sont en train de cacher trop de choses, les Ivriens. Lucas Vanoni va face à Gervelas, c'est marqué. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, Fred, parce que d'un côté, on a un pivot parisien qui se fait accrocher, puis Lucas Ballon là qui finit comme un ailier. Son ballon qui n'est pas forcément en cours, on se soulte, il a un petit peu de mal. Ouais, Lucas Ballon, c'est magnifique. La roucoulette de Lucas Ballon qui va bien chercher le défenseur, il part en premier temps vraiment pour aller ni vers le but ni chercher le pénalty. Bah, il aura le but et les exclusions. Combien centimètres de sorti? Deux là. Oui. Gunnarsson, Bojinovic, on revient. Wow, c'était presque ça. Olivier Ducasse, troisième et neuf. Ils sont confiants, en fait, c'est clair. C'est clair que ces garçons sont en confiance parce que là, la place de Bojinovic, il voit une bombe. C'est Lucas Ballon qui se joue de tout le monde. Quant à la finition, elle est à Balès, c'est normal. 59e but pour Abalo dans cette D1. Ça rappelle Daniel Narcisse, l'autre homme élastique du handball français. Ce que j'ai fait avec cela, on a été sanctionné, Lucas Ballon. Allez, Luc. Il va, Lucas Ballon avec son talent. Regardez, capable de faire passer le ballon de la main droite à la main gauche et d'enchaîner. Ainsi, regardez la dextérité. Magnifique, magnifique. Timing et tempo de la part de Lucas Ballon. C'est étonnant. Allez, l'autre côté, il faut bien défendre. Oui, voilà, le ballon récupéré par Lucas Ballon. La contre-attaque, monsieur, face à face. Et voilà. Un avantage enfin conséquent pour le PSG en bas. Et cette défense retrouvée. Cette défense revigorée par ce changement de système. Exactement, c'est là vraiment le tournant tactique. Ce choix de faire une 1-5, de temps en temps 3-2-1, ça dépend comment on est sur les postes 2 et 5. Et puis à ballot, super anticipation. Vite, regardez un nouveau ballon récupéré, ça défend beaucoup mieux. La vitesse d'exécution de Lucas Ballon. Wow. La roucoulette magnifique de Lucas Ballon. 28-24 en faveur du PSG en balle. Et nouveau temps mort demandé par Boris Delitzsch. Et magnifique à ballon, évidemment, magnifique à ballon, ça va super vite. Et malgré une situation défavorable, vous voyez, il est défendu par Deborah qui pousse vers l'extérieur. Et là, il sort la roue poulette. On souffle, ça ne doit pas être les seuls. On voit le visage légèrement moins contracté du petit mauvais pied de gardant, on répète.
Réalise une énorme entrée. Attention à la punition derrière avec Molgaard. Ça lâche pour Lucas Ballo. Premier poteau. Les Parisiens sont en train de dérouler sur le jeu rapide et profitent parfaitement des récupérations pour. Dans ses œuvres, seul, loin de sa position initiale. 15-10. Et la perte de balle perdue avec l'accélération, on ne le reverra plus. Côté Saran, Lucas Ballo aussi, peut-être. Oh, là aussi la finition, magnifique. Deux minutes d'exclusion.
Caballo qui vient apporter la supériorité. Ça va trop vite. Parisien 3-0 concédé depuis le temps mort demandé par le coach de Stélier. La réponse de Luis Caballo, c'est souvent grâce aux expérimentés que Paris fait son retard, comble son retard. Oui, regardez, j'ai pas de cas, vous avez fait face de Miguel Hansen, effectivement le jeu de Luis Caballo est battu. Si on a le temps d'en parler, mais pour l'instant c'est un match type avec du suspense, c'était tout ce qu'on voulait pour cette rencontre. Luis Caballo pour aller défier, oh la patte gauche de Luis Caballo, la finesse, la justesse et l'expérience de l'Inter. Pas de la rapide également, dans le secteur et sur la barre. Voilà peut-être un premier signe. Là où Koulech avait tout réussi lors du match aller. Et voilà le premier but aussi comme un symbole avec Luis Caballo qui n'avait rien réussi. Il n'avait pas. En retour de la zone, c'est clair. Le jeu qui est jeune. Voilà pourquoi les Parisiens réclamaient un essai de l'autre côté. Réclamaient un passage en force. C'est une guerre. Passage de bras. Passé. C'est lâché. Allez, Lucho. Plus 5 en faveur de Paris après 15 minutes. Des piliers également. Christophe Mieski, Philippe Emily pour Luis Caballo. Oh oui, c'est bien. Très performant, Luis. Des Polonais. Mais ne pas se précipiter. Nicolas Karabatic la passe avec le rebond. Plus 10 en faveur de Paris. Cette rencontre est en train de prendre un tournant irrationnel. Comment ça va là, c'est Luis Caballo qui donne le poignant là, qui était en position idéale. Mais le ballon lui a échappé. Et le 500e but de Luis Caballo en première division, le voici sous vos yeux. Et il permet aux Parisiens de passer devant au tableau d'affichage. Qui attaque fort, la tentative de Kung Fu, la récupération de Viran Moros. Allez, se concentrer Luis Caballo, seul face à Roland Miclair, pour redonner 3 buts d'avance, 17-14. Entre Rodrigo Corrales et Vincent Gérard, mais assez classique finalement. Vincent qui avait débuté de très très belle manière la première période. Face à Zeguen et le premier but en faveur du PSG dans cette fin. Très très beau ce ralenti. Michael Appelgren qui expliquait à ses joueurs pour avoir compris payé pour les Istriens. Alors c'était compliqué hein, dans cette position là pour Andrea Parisini. Voilà également l'un des autres visages, l'ex Strasbourgeois qui avait réalisé une saison énorme l'an passé. De et voilà l'arrêt, le deuxième, même si le ballon récupéré. Oh la finale.
finition spectaculaire de Lucas Ballo face à Julien Meyer. Le talent de Lucas Ballo avec son petit chabala avec le ballon qui amène de l'effet. Vous voyez, côté pour les Cypriens. Et encore une perte de balle. Cette fois-ci pour Lucas Ballo qui lui ne va pas se laisser prier. Lucas Ballo. +9 pour les Parisiens. Ça risque de faire très mal. Pavoise. C'est trop facile pour Lucas Ballo et pour le PSG. Plus de solution en attaque. Et on vous parlait de ce passage à Stravit qui intervenait en général en seconde période. Côté Saint-Raphaël. Et par contre, la semaine dernière avec le ce combat a été parfaitement livré par Saint-Raphaël qui ensuite c'est oui quand même. Ah c'est le un talent incroyable. Et là aussi. Ah Lucho qui se régale hein. Une très bonne attaque de Caballo donc au début et à la fin de la construction. l'action parfaite pour les Parisiens, malheureusement pour les Montpellierains.